Jour 438. Les Ukrainiens ont continué à détruire les entrepôts de carburant russes le long de toutes les principales lignes de ravitaillement menant au sud de l'Ukraine. L'objectif de cette campagne est de créer des pénuries massives de ressources essentielles, ce qui compromettra la capacité des Russes à utiliser les chars et d'autres équipements lourds pour stopper la contre-offensive ukrainienne. Au cours des 4 derniers jours, les Ukrainiens ont mené de nombreuses frappes de drones et certaines d'entre elles ont été très réussies. Tout d'abord, les Ukrainiens ont réussi à frapper la raffinerie de pétrole Ilyinsky pour la deuxième fois. Des sources russes ont rapporté que les Ukrainiens ont utilisé au moins 4 drones. Un d'entre eux a atteint la cible et a provoqué un incendie en explosant au sommet du réservoir. L'incendie a rapidement pris de l'ampleur et la superficie a atteint 400 m². Mais cette fois, les pompiers ont réussi à empêcher le feu de se propager. Jusqu'à présent, les Ukrainiens n'ont détruit que 2 réservoirs. Et comme nous pouvons le voir, il y a encore beaucoup de cibles dans cette région, ce qui laisse penser que ce n'est pas la dernière attaque contre cette raffinerie. Un autre incendie a également éclaté dans la région de Krasnodar. La cause de l'incendie n'a pas encore été précisée, mais il s'agit d'une installation de stockage de pétrole. La superficie de l'incendie a été encore plus importante que celle de la raffinerie de pétrole et a atteint 500 m². Il s'agit de la 4e installation pétrolière endommagée ou détruite au cours de la semaine dernière. Et toutes sont situées sur la ligne d'approvisionnement sud, ce qui signifie qu'elles pourraient être utilisées par la flotte de la mer Noire ou pour l'équipement russe à Zaporijjia. Aujourd'hui, les Ukrainiens ont mené une nouvelle attaque sur le dépôt pétrolier de Sébastopol. Comme vous vous en souvenez, il s'agissait de la première cible, et même si la moitié de la raffinerie a été détruite à la suite d'un gigantesque incendie, les images satellites les plus récentes indiquent qu'il reste encore 12 réservoirs qui semblent pouvoir être utilisés. Mais l'attaque sur Sébastopol n'était qu'une partie d'une attaque beaucoup plus importante sur la Crimée. Le premier groupe de drones aurait visé Krasnoperekhovsk. Il s'agit de l'un des 2 centres logistiques les plus importants du nord de la Crimée, car toutes les fournitures livrées à la région de Kherson passent toujours par cette petite ville. La deuxième ville la plus importante ici est Armiansk, que les Ukrainiens ont pris pour cible par le passé. Aujourd'hui, des explosions ont également été enregistrées à Dzankoï, qui se trouve dans la même ligne de ravitaillement. Le chef russe de la Crimée a également affirmé que les Ukrainiens avaient accompagné l'attaque de drones par le lancement de 2 missiles balistiques Echrim-2, qui ont été abattus au-dessus des localités situées au nord de Féodosia, elles aussi situées sur la même ligne de ravitaillement. Le deuxième groupe de drones a ciblé la zone autour d'Evpatoria. L'objectif de ces frappes est double. Tout d'abord, les Ukrainiens tentent d'empêcher les Russes de ramener leur aviation sur l'aérodrome de Novodefedorivka. Deuxièmement, la majeure partie de la défense aérienne russe est concentrée le long de la côte ouest, de sorte que des frappes continues sont nécessaires pour recueillir des renseignements sur la disposition et les capacités les plus récentes de la défense aérienne russe. Le troisième groupe de drones a visé Sébastopol et Vardiske. Même si cette fois les drones ukrainiens n'ont pas atteint la raffinerie de pétrole de Sébastopol, quelque chose aurait atteint l'aérodrome russe de Vardiske. Il a été rapporté qu'au moment de l'explosion, l'aérodrome disposait de 10 avions de chasse, 8 bombardiers, 6 systèmes de défense aérienne, ainsi que de nombreuses munitions et de carburant, ce qui en faisait une cible parfaite. En parlant des aérodromes, il y a plusieurs jours, les Ukrainiens ont également mené une attaque de drones réussie sur l'aérodrome de Bryansk. Les Ukrainiens ont ainsi complètement détruit un avion AN-124 et endommagé le fuselage d'un autre. Il s'agit d'avions très rares et très importants, capables de transporter 120 tonnes de marchandises. Non seulement ils coûtent environ 70 millions de dollars, mais les Russes n'en avaient que 12, et n'en ont plus que 10. Pendant ce temps, la panique autour de la contre-offensive ukrainienne, dans la région de Zaporijjia, atteint de nouveaux sommets. Le chef russe de la région a déclaré qu'il s'attendait à ce que les Ukrainiens lancent une attaque de grande envergure, d'un jour ou l'autre, car les conditions météorologiques se sont améliorées et le sol s'est asséché. C'est pourquoi les Russes ont lancé la deuxième phase d'évacuation massive. Si, auparavant, ils avaient évacué les habitants des localités situées entre Vasilivka et Tokmak, expliquant ainsi que c'est là que la plupart des combats devraient avoir lieu, l'évacuation a maintenant été lancée à partir de toutes les localités situées entre Enerhodar et Polohi, indiquant clairement que l'ampleur de la bataille attendue est beaucoup plus importante. L'évacuation massive a semé le désordre dans la région, et certains civils ont déclaré avoir trouvé des uniformes militaires jetés, affirmant que des soldats changeaient de vêtements et essayaient de profiter du désordre en s'échappant avec les civils, parce qu'ils ne voulaient pas se trouver sur la ligne zéro lorsque la contre-offensive serait lancée. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant les symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine.
Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage.